Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tag, c'est le tag confession d'une youtubeuse beauté parce que j'ai vu ce tag sur plein de chaînes et j'avais envie de le faire aussi. Donc j'ai les questions sur mon ordi, c'est pour ça que je regarde par là. Combien d'heures par semaine consacres-tu à filmer ou éditer tes vidéos? Donc en fait ça dépend. Maintenant je filme beaucoup moins qu'avant parce que bah, j'ai eu quelques petits soucis de santé qui ont fait que je dors beaucoup. Donc voilà, mais sinon en temps normal, on va penser quand je filmais vraiment beaucoup, je filmais allez, combien d'heures par semaine, 3-4 heures par semaine, et j'éditais très vite mes vidéos parce que je suis très très nulle en montage, ce qui fait que en général mes vidéos vont très vite, enfin pour être éditées quoi, mais bon, c'est vrai que j'essaye de m'améliorer en montage, et voilà. Es-tu dépensière ou l'inverse? Je suis une très 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 grande dépensière. Heureusement que mon copain est là pour me freiner parce que sinon... voilà, je serais en négatif sur mon compte. Non mais non, faut pas exagérer. Je connais mes limites, mais dès que j'ai un peu d'argent, bah, j'aime bien aller me faire plaisir à dépenser pour des vêtements, des livres ou du maquillage. Alors, quand te sens-tu le plus inspirée pour filmer? Alors, je me sens inspirée pour filmer quand je ne peux pas filmer. Donc, soit je ne suis pas chez moi. Donc, par exemple, je suis au travail, etc. Je pense, ah tiens, je ferais bien ça. Ou quand je suis le soir, que je dors. Ou le jour du Seigneur, donc le dimanche, je fais rien. En général, je m'habille même pas, je reste en pyjama. Mais c'est ce jour-là que j'ai envie de filmer. Et puis, quand je filme vraiment, l'inspiration se barre. C'est pourquoi j'avais acheté un petit cahier pour écrire mes vidéos à faire. C'est assez pratique. Alors, qu'est-ce qui te met à l'aise pour parler devant ta caméra? Au début, j'étais assez gênée et tout ça. Comment dire? J'étais ouais, gênée alors qu'il n'y avait personne qui me regardait vraiment, puisque quand on filme, en général, on est toute seule. Donc voilà. Et finalement, ce qui me met à l'aise, bah, je pense que c'est au fil des vidéos, quoi. Donc j'en ai plus ou moins 100, il me semble, sur ma chaîne. Plus de 100 en tout cas. Et c'est ça qui m'a mis à l'aise, ça va faire un an que je filme, donc je pense que avec l'expérience, ça va mieux. Alors, le pire de tes habitudes make-up coiffure. Le pire de mes habitudes coiffure, par exemple aujourd'hui, genre j'ai pas envie de me coiffer, ou alors make-up, je sais pas ce qu'il y a de pire. Avant c'était quand je faisais mon trait de liner à moitié de l'œil, sinon maintenant ben, j'essaye de faire des efforts. Et coiffure, ouais. Le pire, c'est quand j'attache mes cheveux parce que j'ai les oreilles très laides. Et voilà. C'est rare quand je les attache. C'est vraiment quand je suis vraiment tout en bas de l'échelle de la flemme. Ou alors quand je suis à moitié de l'échelle, bah, je fais ça. Une citation qui pourrait faire vivre tout le monde. J'ai pas vraiment de citation. Aime ton prochain. Non, je sais pas, franchement. Vivre d'amour et d'eau fraîche. Ça pourrait faire vivre le monde, ça. Ou alors, ne fais pas... Je connais pas exactement la situation, mais ne fais pas à quelqu'un ce que tu n'aimerais pas que te fasse. Ça, ouais. Il y en a qui devraient un petit peu cogiter là-dessus. Parce qu'il y en a qui agissent sans réfléchir. Combien de temps passes-tu pour te préparer tous les jours? En temps normal, ça va de 30 à 45 minutes, voire une heure, en réfléchissant bien, oui, voire une heure. Et ça, c'est quand je me prépare assez bien. Et sinon, quand c'est vite, ça prend 15 à 30 minutes, genre les jours de grosse flemme. Ta vidéo préférée sur YouTube? Ça, c'est impossible à choisir, franchement. Impossible, il y a tellement de vidéos qu'en choisir qu'une, non. Quelle chaîne YouTube mériterait plus de vues, d'abonnés sur YouTube? Ben ça, je sais pas. Je trouve que chaque YouTubeuse aurait le droit d'avoir des vues et des abonnés, puisqu'on est toutes différentes. Et chacune a ses qualités, chacune a ses vidéos qu'elle maîtrise mieux. Enfin, mais bon, je le souhaite à toutes les youtubeuses que j'aime bien, à toutes mes copines qui sont sur YouTube aussi, d'avoir des abonnés, des vues.
voilà quoi, c'est ce que les youtubeuses aiment bien, parce que c'est sûr qu'on aime bien que ce que l'on fasse plaise. Donc voilà. Alors, quelle est la chose qui t'excite le plus dans l'année à venir? Donc on est déjà au mois de mai, on est le 2. Ce qui m'excite le plus, c'est mon anniversaire. En mode grosse bébé, grosse gamine plutôt. Non mais... là, ouais, c'est ce qui va venir, le prochain événement que je me réjouis, c'est mon anniversaire. C'est le 28 juin, donc on a encore le temps. Ah ouais, non, sinon, ce qui m'excite le plus, c'est d'aller faire du shopping à Maastricht, les soldes, ce mois de juin aussi. En fait, le mois de juin, j'ai hâte. Et puis, voilà. Je sais pas, j'ai pas vraiment de gros événements programmés dont j'ai hâte. Franchement, je sais pas du tout. Quel est le moment le plus maladroit que tu aies filmé? Bonne question. Le moment le plus maladroit. Je sais pas. Je sais bien que il y a des vidéos que j'ai recommencé 1000 fois parce que je disais chaque fois soit je disais une connerie, soit je trouvais que ça faisait nul. Enfin, mais à un moment précis, j'en ai pas comme ça en tête. Non, franchement, je sais pas du tout. Sur la collab, j'ai filmé pas mal de moments assez. Donc, ouais. Mais malheureusement, elle avait été piratée. Donc, c'était surtout dans les vidéos du début qui me faisaient rire. Genre, la vidéo où j'avais dû faire la présentatrice de télé. Ça m'avait fait. Je rigolais moi-même de moi. Et quand j'avais dû chanter, c'était pas mal du tout. Là, je me suis dit, waouh, vive la grosse casserole. Et sinon, je vois pas vraiment d'autres. Combien de temps te faut-il pour préparer une vidéo? Donc, en général, le temps pour filmer, ça dure de. Allez, en 10 et 30 minutes, grand max. Mais pour préparer la vidéo, par exemple, ça dépend quelle vidéo je fais. Quand j'avais fait ma vidéo tatouage et piercing, excusez-moi, je regarde tout le temps dans le retour, vous allez croire que je louche, désolée. Donc je disais, quand j'ai fait ma vidéo pour mes piercings, j'avais préparé avant, donc j'avais réfléchi à ce que j'allais dire sur une feuille, etc. Pour pas dire de conneries. En général, je prépare pas, c'est spontané, ça vient comme ça vient. C'est pour ça que des fois je dis plein de bêtises, enfin de bêtises, on se comprend. Alors, que portes-tu pour ce tag? Un pantalon, une jupe ou un pyjama? On va vous montrer ça. Je porte un t-shirt comme ceci avec un débardeur noir en dessous. Donc c'est un t-shirt qui vient de chez New Yorker que j'aime d'amour et c'est la première fois que je le mets alors que ça fait un an que je l'ai. Avec un pantacourt. Et des pantoufles, parce que je reste chez moi, donc je me suis pas vraiment foulée pour m'habiller. Donc voilà. Et alors, de quoi es-tu le plus fière dans ta vie? Je suis fière de mon caractère. Ça c'était un petit peu humoristique. Non mais en fait j'ai un caractère de cochon, mais je suis fière d'être gentille, d'être plus gentille qu'avant. Ça fait bizarre de dire ça. Et je suis fière aussi d'être, parce que j'ai à 14 ans, j'ai eu une période assez avec ma famille, avec ma famille, ouais, je veux dire, j'ai eu ma crise d'adolescence, donc j'ai fait plein de bêtises. Bon, j'en parlerai pas ici, enfin je pense pas. Je suis contente de plus avoir fait ces bêtises là. D'avoir su arrêter du jour au lendemain pour pas faire souffrir ma maman et pour que ma famille soit fière. Et voilà, donc je suis fière d'être proche de ma famille, d'être là pour eux, proche de mes amis aussi. Proche des gens qui ont besoin en fait. Voilà. Et voilà, 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 mille fois encore. J'espère que ce petit tag vous aura plu. Donc je m'excuse si je filme beaucoup moins, je vais faire des efforts pour filmer plus, c'est promis. Et en plus maintenant les beaux jours arrivent, donc j'espère vite pouvoir filmer dans mon jardin. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.